Donc voilà, est-ce que vous pouvez vous présenter tout d'abord? Alors, nous faisons partie des Galopins, un club de randonnée pédestre. Donc, régulièrement, en semaine et le dimanche. D'accord. Et vous marchez où la plupart du temps? Dans la région. Dans le Trégor? Oui, dans le Trégor. Et ça fait longtemps qu'elle existe, votre association? Ça fait une vingtaine d'années, oui. Et vous êtes donc le président de l'association, je suppose? Non, je suis un bénévole de l'association. Et vous avez beaucoup de membres dans votre association? Environ 130 personnes sont inscrites à l'association. 130 personnes qui, tous les week-ends, par exemple, viennent... Sur la semaine, enfin, il y a 4 randonnées par semaine. On est répartis sur les 4 randonnées. Et les associations comme vous, il y en a plusieurs dans la région? Il y a au moins deux, Rando Trégor et les Galopins. Moi, je fais partie des Galopins. Et c'est une fédération française là. Je fais partie de la Fédération française de randonnée pédestre. En quoi consiste l'association de scouts? Alors, les scouts et guides de France, c'est un mouvement d'éducation, quoi, où on propose aux jeunes de faire des activités, puis en faisant des activités, ils grandissent, quoi, ils se développent, quoi, ils progressent. Quoi. Et vous avez beaucoup de jeunes de votre association? Dans le groupe de l'Agnon, il y a 80 jeunes actuellement. Quoi. D'accord, et il y a beaucoup d'associations de scouts qui existent en France? En France, oui, il y a pas mal de groupes. Oui. Il y a à peu près 100 000 jeunes en France actuellement, quoi. Et il y a des groupes dans les Côtes d'Armor, il y a 5 ou 6 groupes comme ceux de l'Agnon. Quoi. Il y a 2 ans, c'est Michel qui a participé donc, à l'émission de Julien Lepers. L'an passé, c'était moi-même, il y a à peu près un an, le 24 septembre. Et cette année, c'est Anne-Marie qui est ici présente, qui va représenter notre club, donc le 23 septembre, émission qui sera diffusée le 3 novembre sur la chaîne FR3. Voilà. D'accord. Et donc, qu'est-ce qui vous a poussé à créer l'association de questions pour un champion, qui on peut dire est un peu insolite comme association? Alors, a priori, je l'ignore complètement parce que les membres fondateurs ont disparu ou ont déménagé. Et donc, nous avons repris le club à une époque où il était vraiment à l'étiage, c'est-à-dire 2 ou 3 membres seulement, en espérant le pérenniser par goût de l'émission et de faire une activité, disons, dans la ligne de l'émission. Quoi. Et donc, notre présidente qui était présente ce matin, mais là qui a dû s'absenter, a mis tout en œuvre pour remonter un peu le club. Donc, nous avons réussi à constituer un noyau de fidèles donc depuis 3 ans et demi, 4 ans. Et donc, maintenant, les choses roulent. Nous avons pu, enfin, l'année dernière, nous procurer l'appareil avec les buzzers qui nous permet de jouer dans les conditions exactes de l'émission. C'est un appareil qui est assez coûteux et donc en fonds propres ça a été un peu laborieux. On a dû avoir pendant un temps des cotisations un peu élevées pour acquérir cet appareil. Mais maintenant c'est fait, donc on joue vraiment dans les conditions de l'émission. Et je suppose que vous êtes la première association de questions pour un champion en France? Disons que l'association Question pour un champion, c'est un label hein, qui donc dépend de Fremantle Media, qui est producteur de l'émission. Et il y a maintenant très très nombreux clubs en France et en Bretagne, il y a également plusieurs clubs. On est en relation notamment régulièrement avec le club de Lamballe en Côte d'Armor, hein, c'est un deuxième club. Et puis également dans le Finistère avec Fouenant et Douarnenez et Lorient dans le Morbihan. Alors, ces clubs bretons, entre nous, nous organisons annuellement un tournoi tournant d'une année sur l'autre qui nous permet de nous réunir les clubs bretons.